3, nous allons lire dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Rejetées par les hommes. Les prêtres sont rejetés par les hommes. Oh. Quand ta famille sait que tu es prêtre, on ne fait pas à ton corps les médicaments quand tu es mort. Des pierres vivantes. Rejetées par les hommes. Mais choisies et précieuses devant Dieu. Ouh! Mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former un groupe, une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint service. Le sacerdoce, c'est le service des prêtres. Afin d'offrir des victimes. Donc, notre service, c'est pour quoi? Afin de... D'offrir. Le but de notre service de prêtre, c'est quoi? Offrir quoi? Des victimes. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'est pas tranquille, si on ne lit pas lentement. Écoutez, il est écrit qu'à en ces temps de la fin, que celui qui lise fasse attention. C'est ce que Matthieu dit. Pendant la fin, quand ce sera la fin, Jésus dit, quand vous allez voir des guerres, toutes ces choses-là, des pandémies, dit que celui qui lit maintenant fasse attention. Vous êtes des pierres, vous formez une maison, une famille spirituelle. Vous pratiquez le sacerdoce et votre sacerdoce afin d'offrir. Le but de ce sacerdoce, de ce service de prêtre-là, c'est offrir. Offrir quoi? Des victimes. Quoi? Spirituelles. Des victimes quoi? Spirituelles. C'est plus des animaux. C'est offrir à Dieu des victimes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une victime? Une créature vivante sacrifiée à un Dieu. Voici les critères de la victime qu'on offre à Dieu. 1. Tu devras convertir ces pécheurs-là. C'est toi-même qui les convertis. Tu fais confesser à ces personnes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. 2. Victimes. 2. Tu devras prier le matin, à midi et le soir à genoux pour ces victimes jusqu'au 1er janvier 2021. C'est-à-dire tu les convertis maintenant. Chaque soir, tu pries pour elles. Chaque soir, tu es à genoux, le matin, le soir pour ces victimes. Si tu n'es pas dans les choses-là, tu n'es plus avec nous en esprit. Jésus continue à faire ça pour nous, même au ciel. Il intercède dans notre faveur. Donc, 1, c'est toi qui les convertis, qui amène ces pécheurs-là à la repentance. 2, tu pries pour eux matin, midi et soir à genoux pour que ces victimes-là s'attachent à Dieu, connaissent Dieu. 3, tu jeûnes pour elles et 2 fois avec elles. Donc tu fais un programme hein, par semaine. Tu as au moins un jour où tu jeûnes pour ces victimes. Tu te prives de manger pour ces victimes. Alléluia. 4. Tu as des entretiens physiques au moins 3 fois par semaine avec ces victimes. Et tu es connecté à travers les réseaux sociaux et les SMS 24 heures sur 24 avec ces victimes. 5. Chacune de ces victimes doit être dans une famille de croissance. Tu dois intégrer, faire rentrer ces victimes dans une famille de croissance. Maintenant, suis-moi bien. Ça peut être ta famille de croissance, mais si les victimes habitent loin de ta zone, elles peuvent être dans une autre famille de croissance. Mais tu es en relation avec ces victimes, quoi? 24 heures sur 24 par les réseaux sociaux et par tous les moyens et au moins 3 fois par semaine. Ce sont tes victimes que tu offres à Dieu en tant que prêtre. Alors, je suis dans 6 maintenant. Vous devez briser l'œuvre du diable dans la vie de ces victimes. 1. C'est toi qui fais la repentance à ces victimes. 2. Tu pries le matin et le soir pour ces victimes. 3. Tu jeûnes pour elles et avec elles. C'est ça, non? Vous suivez? 4. Tu fais des entretiens 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, SMS et 3 jours par semaine. 4. Elles doivent être dans une famille de croissance. 5. Tu apprends ces victimes à lire la Bible, à prier. 6. Tu brises la puissance du diable dans la vie de ces victimes en priant sur elles. Tu pries pour casser la force du diable sur ces victimes. Si maintenant, à cause de la COVID-19, à cause de ça, on dit de ne pas toucher les gens, tu peux toucher un objet de cette personne. Tu peux me demander à quelqu'un, tu dis, bon, écoute, laisse-moi d'abord ton calepin là, je vais prier pour. Bien, laisse-moi, tu pries, même pour les chaussures, que la personne laisse les chaussures dehors, tu pries sur ça, pour que l'onction tombe sur ça, que la personne porte la force de Dieu, travaille. Mais tu dois casser la puissance de Satan dans la vie de ces victimes que tu offres à Dieu. Et enfin, 7, tu dois amener ces victimes à être engagées comme toi-même, dans tous les domaines de la foi. Je dis bien, c'est ça le critère, hein? Le critère le plus important, c'est le 7e. La victime doit être engagée comme toi-même. Elle doit prier comme toi-même. Elle doit lire la Bible comme toi-même. Elle doit s'impliquer comme toi-même. Elle doit elle aussi être dans une famille de croissance comme toi-même. Elle doit aimer Dieu comme toi-même. Elle doit quitter le péché comme toi-même.
totalement. Mesdames et messieurs, il faut me suivre. Le prêtre est celui qui va présenter à Dieu la victime. Cette victime est une personne vivante, attrapée, sacrifiée à Dieu, totalement pour que la personne vive pour Dieu. Cette âme-là, ce n'est pas seulement un converti, non. Il s'agit pour la première fois dans ta vie d'amener quelqu'un à s'engager à Dieu comme c'était toi-même. Paul a dit, et tous les apôtres ont dit, soyez mes imitateurs. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.